Bonjour à tous, je vais utiliser GeoGebra pour illustrer la quantité de lumière qui nous provient du Soleil, quantité qui donc arriverait sur une surface plane horizontale. Donc je dessine ici, représenté par le segment AB. Je vais donner un peu de couleur d'ailleurs à ce segment, voilà, en rouge. Voilà, le rayon de Soleil arrive donc sur le segment AB. Je veux voir quelle est la quantité de lumière qui arrive sur ce segment en fonction de l'heure de la journée. Alors la journée comporte, on va considérer qu'il y a 12 heures. Le soleil, donc, on va considérer qu'il éclaire la surface sur une durée de 12 heures, et les rayons du soleil nous arrivent avec un angle qui varie en fonction de l'heure du jour. Et alors, je vais créer un angle ici entre 0 et 180 degrés. Et je vais lui donner des incréments de 15 degrés. Pourquoi? Parce que bien, si je divise 180 par 12 heures, 180 par 12 divisé par 12, ça fait 15. Et donc, si vous voulez, quand alpha égale 0, eh bien, le soleil est en train de se lever. Et puis, quand alpha sera égal à 15, ce sera 1 heure du matin, 2 heures du matin, ainsi de suite, jusqu'à donc 6 heures. Et ensuite, donc, en fait, on va commencer à 6 heures du matin. Hein, 6 heures du matin. Et puis, quand on va arriver à 90 degrés, ce sera midi. Et donc on terminera à 18 h. Donc pour donc avoir une durée de jour égale à 12 heures, de 6 à 18 heures. Alors on va tracer ces rayons qui nous proviennent du Soleil. Donc on va considérer que tous les rayons lumineux qui arrivent du Soleil sont parallèles, parce que le Soleil est très très loin par rapport à nous. Donc on peut considérer que les rayons de Soleil arrivent parallèlement sur la surface de la Terre. Donc on va construire un point grand O ici, et on va tourner le point grand B d'un angle égal à alpha. Donc alpha, je peux aller chercher, je peux écrire alpha en utilisant le clavier de GeoGebra, et donc autour du point grand C, voilà, donc j'ai le point B', qui, par exemple, pour un angle évidemment égal à alpha, se retrouve de l'autre côté ici. Et en fonction de alpha, on voit que B' varie. Alors je vais dessiner un rayon de soleil. Donc ça va être une demi-droite. Hein. Je vais dessiner une demi-droite qui part de grand C. Et vous voyez, donc je vais d'ailleurs dessiner cette demi-droite en jaune pour bien indiquer que c'est un rayon de soleil. Donc voilà. Voilà. Alors, la quantité de lumière qui va nous parvenir donc à une certaine heure va dépendre en fait de la bande lumineuse qui est interceptée par le panneau solaire, donc ici de longueur 8. Alors pour cela, je vais créer encore deux autres droites qui sont parallèles donc à ce rayon de soleil, une qui passe par B et l'autre qui passe par grand A. Alors pour ça, j'utilise l'outil parallèle de GeoGebra qui va me permettre de tracer donc la parallèle passant par le point grand B. Et donc parallèle à cette droite-là. Et de même, je vais tracer la parallèle qui passe par grand A, donc parallèle au rayon de soleil ici. Et donc voilà la bande lumineuse interceptée par mon panneau solaire quand alpha est égal à 45 degrés, donc quand il est 9 h du matin. Hein, puisque 3 fois 15, 45, donc c'est 6 h plus 3, 9 h du matin. Je vais dessiner, je vais colorier également ces bandes en jaune pour bien indiquer que c'est donc les rayons du soleil. Propriété, voilà, donc la droite ici, je vais la dessiner en jaune, et de même la droite ici, je vais également la représenter en jaune. Voilà qui est fait. Voilà mon rayon de soleil. Et pour voir en fait la quantité de lumière pour mesurer la quantité de lumière qui nous arrive en fonction donc de la valeur de alpha, hein, vous voyez quand alpha, quand il est 6 h du matin, bien le soleil est en train de se lever. Ben, la bande lumineuse qui vient frapper mon panneau solaire AB, ben, est égale à, elle est nulle, il n'y en a pas. Hein. Les rayons de soleil donc ne viennent pas frapper cette bande-là, puisqu'ils sont parallèles au panneau solaire. Et puis ben, quand l'heure avance, hein, quand il est 7 h du matin, eh bien, j'ai une petite bande solaire qui est interceptée par mon panneau solaire. J'ai une petite bande de lumière qui est interceptée par mon panneau solaire. Et donc au fur et à mesure que l'heure avance et que le soleil se lève à l'horizon, eh bien, cette bande lumineuse qui est interceptée par mon panneau solaire devient de plus en plus large. Évidemment, à midi,
Les rayons viennent frapper perpendiculairement le panneau solaire et je récupère donc une bande lumineuse égale à 8. Donc là, je récupère le maximum de lumière. Et puis ensuite, bah, le soleil continue sa trajectoire dans le ciel. Et il arrive donc à 18h, il se couche. D'accord? Donc, par pas de 15 degrés, j'avance à chaque fois d'une heure. Donc, vous comprenez bien hein, que la quantité de lumière qui arrive sur le panneau solaire va dépendre de l'heure à laquelle, de l'heure considérée. Alors, pour la mesurer, cette quantité de lumière, on va mesurer la largeur de cette bande de lumière. Et pour ça, donc, je vais créer la perpendiculaire qui passe par grand B et perpendiculaire donc au rayon de soleil. Et en réalité, je vais construire le point d'intersection de cette droite perpendiculaire avec le rayon de soleil qui est ici. Et donc la largeur du segment BD, je vais dessiner, je vais construire le segment BD. Et la longueur de ce segment BD mesure en quelque sorte la quantité de lumière qui arrive sur mon panneau solaire. Par exemple, quand alpha égale 30 degrés, vous voyez que la quantité de lumière qui arrive sur le soleil aurait une mesure à peu près égale à 4 par rapport au maximum qui est égal, je vous rappelle, à 8. Et on sait qu'en fait que bah, sinus de 30 degrés est égal à 1,5. Donc on voit qu'il y a peut-être un lien entre 30 degrés et cette valeur-là, hein, qui pourrait être égale à 8 multiplié par sinus de 30 degrés, donc 8 divisé par 2. Alors évidemment, hein, ça se justifie ça. Pourquoi ça se justifie? Parce que en réalité, bah, l'angle BCB' qui est ici, bien c'est l'angle alpha, hein, c'est l'angle de 30 degrés, hein, c'est bien cet angle-là que je retrouve à cet endroit-là. Quand je fais varier mon alpha, et bien évidemment les rayons de soleil, alpha c'est quoi? C'est l'angle que font les rayons de soleil avec l'horizontale. Hein. Donc par exemple ici 45 degrés. Cet angle de 45 degrés, ben, je le retrouve ici, puisque les deux angles ici sont correspondants. On a deux parallèles coupés par une même sécante. Donc ici j'ai 45 degrés. Ici j'ai 90 degrés. Bon, on va pas prendre 45, on va prendre peut-être une autre valeur, 60 par exemple. Ici j'ai 60 degrés. Ici j'ai 40, j'ai 90 degrés. Donc 60 degrés plus 90 degrés, ça va nous faire 60 degrés plus 90 degrés, ça va nous faire 150 degrés, ce qui fait que l'angle qui est ici est égal à 30 degrés. Évidemment, hein, l'angle qui est ici et l'angle qui est ici sont deux angles complémentaires, puisqu'ici j'ai un angle droit, hein, cet angle ici est droit. Et donc, eh bien, si je veux mesurer la longueur de ce segment ici, là, ben comment je dois faire? Ben j'ai un triangle rectangle ici. L'hypoténuse est ici égale à 8. D'accord? Et que vaut cette longueur-là? Eh ben c'est la valeur de cet angle ici, hein, donc, que je retrouve ici, 60 degrés. Donc 60 degrés qui est ici aussi. Et je sais que opposé sur hypoténuse va me donner le sinus de l'angle qui est ici. Donc l'opposé, c'est ce que je cherche, divisé par cette longueur-là qui est égale à 8. Est égal au sinus de 60 degrés. Et donc j'ai bien cette longueur-là qui est égale à 8 fois sinus de 60 degrés. Donc je vais l'écrire. Hein. 8. Donc 8, c'est la longueur du segment AB. Hein. 8 fois le sinus de, entre parenthèses, 60 degrés, donc l'angle alpha, tout simplement. Je ferme ici. Voilà, et j'ai donc la valeur ici hein, de 6,92, c'est la longueur du segment BD. Je peux le vérifier, hein. Je peux le vérifier puisque BD, ben, je l'ai ici, et c'est bien cette longueur-là. Hein. Donc la longueur du segment BD, c'est tout simplement 8 fois le sinus de l'angle alpha. Si je fais varier alpha, évidemment, vous allez voir que ces deux valeurs correspondent à chaque fois. Voilà, donc on voit que la quantité de lumière qui est interceptée par le panneau solaire, est en fait proportionnel au sinus de l'angle alpha. Quand alpha égale 90 degrés, évidemment le sinus est égal à 1, et dans ce cas-là, eh bien, la quantité de lumière qui arrive sur le panneau solaire est maximale. Et donc le sinus varie entre évidemment 0, 1, et de 1 à 0 quand le soleil est en train de se coucher. Donc de 0, il varie de 0 à 1 le sinus quand le soleil est en train de se lever. Il vaut 1 quand le soleil est au zénith. Donc quand les rayons de soleil sont perpendiculaires à l'horizontale, et puis ils passent ensuite cette valeur de 1 à la valeur 0 quand, évidemment, le soleil se couche à 18 heures.
Alors, on nous demande on va calculer la valeur moyenne, en fait, donc de ces valeurs de sinus. Alors, pour ça, on va utiliser le tableur de GeoGebra. Donc, affichage, on peut choisir, donc ici, tableur. Voilà. Et donc 180, j'arrive ici à 13. Voilà. Donc les valeurs en degrés. Et alors ici, je vais calculer le sinus de la valeur qui est ici en degrés. Alors, je vais peut-être préciser ici degrés. Je ne sais pas si GeoGebra va comprendre ça comme ça. Et donc je propage. Et j'ai bien ici les valeurs donc du sinus en degrés. On voit bien que sinus 30 degrés correspond à 1,5. Sinus 15 degrés, ce serait 0,2588. Sinus 40, 45 degrés, on sait que c'est racine de 2 divisé par 2. Donc c'est ce nombre-là. Et évidemment, on a une symétrie hein, donc, des valeurs du sinus. Hein, quand l'angle varie entre 0 et 90, et entre 90 et 180, on a évidemment une symétrie de la valeur des sinus. Alors, je veux calculer la moyenne, donc la moyenne, je vais faire la somme. Donc la valeur qui est ici est égale à celle qui est là. Et puis la valeur suivante, ça va être égal à la valeur précédente, C1, plus la valeur que j'ai ici. Donc je vais additionner mes différentes valeurs jusque ici, donc la 12e valeur. Et la moyenne, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à donc la somme des 12 premières valeurs de mes sinus. Donc la somme donc, est ici divisée par 12. Et vous obtenez 0,633. Alors en réalité, il faudrait trouver la valeur moyenne du sinus de la fonction sinus, la valeur moyenne de la fonction sinus quand l'angle varie entre 0 et 180 degrés. C'est en réalité 2 divisé par pi. Et si vous faites 2 divisé par pi, vous trouvez une valeur qui est proche de 0,63. Et donc c'est bien ce que l'on doit trouver. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, en réalité, hein, donc, pendant toute la journée, tout se passe comme si on recevait donc, 0,633, c'est comme si on recevait une quantité de lumière sur le panneau solaire vertical, mais sur une longueur égale à 0,633 fois 8. Alors 0,633 fois 8. Donc ça veut dire que la largeur effective, efficace de mon panneau solaire, c'est en fait uniquement 5. Sur un panneau qui a une longueur de 8, en fait tout se passe comme si je recevais pendant 12 heures une quantité de lumière qui arrive perpendiculairement sur une longueur égale de 5. 5 ici. D'accord? Donc 0,633, 0,633 multiplié par 8. Voilà. Donc c'est la valeur moyenne du sinus hein, lorsqu'il varie entre. Donc, lorsque l'angle varie entre 0 et 180 degrés. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. Alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement là, c'est calculer, donc on a 0,63, on pourrait calculer, faire arcsinus de 0,63 et voir à quoi correspond cet angle, 39 degrés. Donc, tout se passe en réalité. Comme si, en fait, je recevais pendant toute la journée une lumière sur mon panneau solaire qui est à environ 40 degrés, donc entre 30 et 45, hein, qui est à environ à 40 degrés donc, par rapport à l'horizontale. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention.